Ne jamais vivre avec les regrets, telle est la devise du buteur de Chelsea. Intelligent et réfléchi, c'est dans la religion musulmane qu'il trouve son véritable équilibre. Ça m'aide énormément sur les moments durs dans ta vie, comme il s'est passé cet été avec le décès de ma petite sœur. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé toute ma famille. Et dans ces moments-là, on voit que s'il n'y a pas la croyance, ça peut mal tourner. Mais quand on est rattaché à certaines valeurs, comme la croyance, comme la famille, ça aide énormément. Aujourd'hui, j'arrive à avoir une certaine sérénité, une certaine paix dans ma façon de vivre et dans ma façon d'être tous les jours, qui me va bien. Sourire radieux pour un homme apaisé. Tous les jours, Dembaba se rend à la mosquée et nous invite cette fois-ci à partager son quotidien. Il est 4h43 du matin. Petit rituel comme tous les matins, se lever pour la prière du matin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, c'est direction la mosquée, pour la prière en groupe avec les autres fidèles. C'est mieux quand on est accompagné que quand on est tout seul. J'aime pas la solitude. Faut éviter de réveiller les enfants. Bah c'est vrai que quand tu dis aux gens tu te lèves à 4h du matin pour prier, tu coupes ton sommeil. Ils sont un peu. Ils sont un peu choqués. De la même manière quand tu joues au football et tu fais le ramadan, ils sont un peu choqués. Mais c'est question d'habitude. Direction la mosquée pour quelques minutes de prière. Demba retournera ensuite au lit, puis prendra la direction de l'entraînement. Tel est le quotidien de cet homme incroyable, un buteur de génie à part dans le monde du ballon rond. Une véritable bouffée d'oxygène. Bon, allez. Je vous remercie beaucoup et on se voit bientôt. Hein. Ok? Allez, ciao. You still hear thoughts? Then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex and rock and roll. But in all honesty, I just need to know. Is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed.